instruments. Ce sont des instruments en pierre. Ce sont des instruments en pierre et ils fonctionnent toujours en bon état parce que avant, quand on parle 1727, on ne connaissait pas l'art national du pays. On avait difficulté de connaître le type de l'art du train, l'art de l'avion. Quand les Anglais ont ramené le système de vol, de l'avion, on a fixé l'art pour le départ national du train, de l'art. Mais chaque site astrologie ou de l'observatoire donnait l'art local. Et de l'art local, c'était au niveau des latitudes. De latitude de Jeppo, par exemple, latitude de Jeppo, c'est 27 degrés. Donc quand on fait l'instrument à l'angle de 27 degrés, si vous regardez là, c'est à l'angle de 27 degrés. Donc, il y a une direction de l'horizontale. C'est non horizontal, parce que quand on voit, on fait l'instrument 27 degrés dans l'autre direction, inverse, et on ne verra pas l'étoile polaire. Donc quand on le regarde par là, on est Leïla, et directement en face, c'est qu'on voit, ça serait l'étoile polaire. Donc c'est là la première teste globe, nord horizontal et sud horizontal. Donc la latitude de Jeppo, c'est 27 degrés. Donc le quadrant solaire, ils ont l'heure et de l'horaire, ce sont des l'heure sur la latitude de 27 degrés. Donc il faut toujours ajouter le différence du quadrant solaire et de l'heure normale pour faire l'art national. C'est-à-dire, si le quadrant solaire, il donne l'heure, c'est l'heure de, locale de Jeppo. Mais ce ne sont pas l'heure locale de l'aime. Il faut ajouter la différence des quadrants solaires pour faire l'heure nationale. Par exemple, si vous venez voir, approchez-vous. Attention, tu vas avoir une marche qui monte et qui descend fort derrière. Ça marche, ça monte un tout petit peu et ça descend beaucoup. L'étoile polaire. Tu t'en penses ? Oui. Paris 45 degrés. Remarquable technique ou grande intelligence architecturale. De l'est à l'ouest pour équilibrer le cadran solaire qui fonctionne toutes les 20 secondes. Mais ça ne fonctionne pas toutes les secondes. Parce que pour faire fonctionner toutes les secondes, il fallait grandir et élargir le taille. Donc quand ils ont réussi pour calculer 20 secondes, ils ont réussi pour calculer 4 secondes. C'est là la grande tour en haut, vous voyez. C'est aussi le cadran solaire qui fonctionne toutes les secondes. En haut. Alors, il commence. Avec une onde. 6 heures jusqu'à midi, le TT. Donc, nord, sud, est, ouest. Donc, 6 heures est, 6 heures ouest. Donc, depuis 6 heures du matin jusqu'à midi, c'est pour trouver le TT. Du midi jusqu'à 18 heures, c'est le TT. Alors, quand on parle de l'horaire, ça fait 1 heure. 1 heure. Vous voyez, hein? Ça fait un quart d'heure. 15 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes, 3 minutes et 3, ça fait 20 secondes. 23 fois. Donc 60 secondes, 1 minute. Alors, donc si vous regardez l'ombre, ça tombe là. Alors, si quand l'ombre dépasse là, c'est déjà midi. Donc midi déjà dépassé. Donc midi est 15, midi est 15, midi 20, et 3, midi et de 23. Chaque côté, midi et 23 plus un arc de cercle, de chaque côté du mur, donc c'est immense, hein, c'est très très grand. Et ces membres du mur, tout se reflète, soit le matin à gauche, cadran solaire, soit l'après-midi, sur l'autre moitié. Donc ça donne l'air local. Alors, quand ils ont réussi par ici, quand ils ont réussi du cadran solaire, ils ont fait les 12 instruments pour calculer les signes des zodiacs. Et donc, regardez le bruit, regardez le dos, on dirait un bruit,
Et d'autres, oui, ce ne sont pas les pluies. Et sont communs les instruments. C'est les deux instruments qui sont emboîtés. Les deux instruments qui sont emboîtés comme ça. Comme ça, regarde les doigts. Le parti qui est vide, ils ont mis le marbre. La partie où il y a les doigts, c'est le vide. Donc quand on fait les deux instruments ensemble, ça fait complet. Ils ont les instruments emboîtés, vous comprenez? Alors, pour faire fonctionner, ils ont mis le fil avec un anneau qui représentait la position du soleil. Alors, si la position du soleil tombait sur marbre, l'instrument fonctionne. Et si ça ne tombait pas sur le marbre, l'instrument ne fonctionnait pas. C'est comme ça, ils voyaient quel instrument fonctionne, le premier ou le deuxième. L'ombre d'anneau tombe sur la marbre, il fonctionne. Si l'ombre d'anneau ne tombe pas, il faut aller l'autre. Ou si l'autre ne fonctionne pas, il faut aller là. C'est comme ça, l'un ou l'autre qui fonctionnait. Et quand l'ombre d'anneau qui tombait, il tombait sur le sculpture en indice de signes de Zodiac. Donc si bébé est né maintenant, ça sera le poisson. Donc il voyait ces poissons en indice, il lisait le poisson. Et ensuite, ils allaient chercher des douzaines d'instruments. Regardez au fond. Au fond. Montez la marche que tu as descendue tout à l'heure qui est très haute. Si c'est le poisson, désolé. Tous les mariages sont faits par le conseil d'astrologue, le date du mariage, les horaires de cérémonie, la durée de mariage. On n'a pas mariage tous les mois, toutes les semaines. Mariage, saison des mariages. C'est la saison annoncée par l'heure. Horoscope de chacun et par l'astrologue qui travaille sur l'astronomie de l'astrologie. Donc, c'est pour cela que ça s'appelait le jardin d'astrologie. Vous allez chercher votre fil zodiac, marquer, photographier devant, pour vous souvenir. Et ensuite, vous venez à l'ombre de l'arbre, bouger un petit peu. J'ai tout vécu à l'ombre de l'arbre. J'ai vécu au soleil et à l'ombre de l'arbre.